Coucou les copains. Et voilà, ça c'est notre van. Et vous avez été nombreux à me demander, mais comment ça se passe la vie en van? Alors j'ai plusieurs tips à vous donner. Déjà, pour commencer, il faut partir avec quelqu'un qui est un petit peu maniaque. Pourquoi? Parce que comme ça on fait le ménage un peu tous les jours et c'est pas le bazar partout. Ensuite, faut savoir comment ça fonctionne pour le van. Ici, il y a le frigidaire, le four et ça, c'est l'évier avec la vaisselle. La règle à instaurer pour la vaisselle, c'est jouer au président pour savoir qui c'est qui la fera. Donc, on va régler ça au président tout à l'heure. Nous, on est parti à 4. Et maintenant, imaginez que c'est l'heure de dormir. Mais on est 4. Et comment est-ce qu'on va faire pour dormir à 4 dans cet espace qui est un peu clos? Ben déjà, pour commencer, on va monter la tente de toit parce que comme ça, on a une chambre en plus. Pour la tente de toit, c'est ici que ça se passe. Donc, on commence par mettre le contact. Hop, ensuite on appuie ici sur le truc là et on fait ouvrir. Et voilà, on a une chambre en plus et elle est juste là. Du coup, nous voici dans la chambre supplémentaire où deux personnes peuvent dormir. Elles ont même une super vue panoramique puisque là, on arrive sur la belle vue. Bon, on est un peu garé sur un parking. Maintenant que la tente de toit est ouverte, on peut déjà prendre un peu plus de hauteur. Et être debout dans la salle à vivre, à savoir cuisine, salle à manger, enfin la salle où on joue aux cartes. La salle où on conduit aussi, la salle où on dort pendant que les autres conduisent. Et maintenant, je vais vous montrer comment on transforme ça en chambre. C'est parti! Et voilà, une deuxième chambre qui est disponible ici. Super top, vous avez vu?